3 minutes. Je suis absent 3 minutes également. C'est un exercice difficile. C'est un exercice difficile. En 3 minutes, j'ai juste à dire une chose. Nous sommes ici parce que nous croyons. Nous avons la foi. La foi en ce que notre combat aura une issue favorable. Si nous ne croyons pas, nous baissons les bras. Et justement, nous ferons le lit de Hibou. Certains s'interdisent de le nommer. Moi, je vais me permettre de le nommer. Vous me pardonnez de le nommer. Je ne vous demande pas, je ne voudrais pas vous demander d'être à la place de Jean-Pierre. Avoir atteint ce niveau de combat, avoir autant dépensé, en moyens aussi bien qu'en énergie, et se voir voler ce qu'on a mérité, ce n'est pas évident d'être serein comme ça. Je l'ai personnellement déjà vécu aux côtés d'autres hommes, avant lui, qui ont vécu la même chose. Et je vous assure que c'est difficile. Surtout quand on a affaire à quelqu'un qui est à tout instant prêt à vous éliminer physiquement. Parce que ne vous trompez pas. La plus grande arme, nous l'avons, et qui tue en silence, et qui est promue par le pouvoir en place, c'est le poison. Un poison lent. Et puis on va commencer à s'habituer à voir que quand on est à l'hôpital, au bout d'un temps, il est décédé. C'est pour cette raison que je voudrais dire que nous avons intérêt à le déloger. Sinon, c'est nous qui sommes morts. Et tous, même ceux qui pensent qu'ils sont des amis, c'est un homme qui n'oublie pas. Il ne pardonne pas. Il n'a qu'un intérêt à avoir le pouvoir. Il peut, après avoir eu son pouvoir, jouer la vie pourvu qu'il ait le pouvoir. Et c'est ce qu'il exerce. Les pactes sont déjà signés avec Satan. Et il s'exerce. Parce qu'ils sont exécutés. Et si nous nous résignons, c'est le Gabon qui est mort. C'est pour ça qu'il faut avoir de la foi et surtout se mettre dans le combat. Ne pas se décourager. Ne pas avoir un esprit de facilité. Ne pas penser que je suis venu dans le combat pour un jour. Parce qu'il y en a qui sont venus entre les gens pires parce qu'ils pensaient qu'en 2 jours, c'est gagné. Parce qu'après, vous allez dire, moi je ne peux plus,
à gérer les enfants, à gérer pas prévu ceci, mais qui va me payer la maison? Moi, je peux faire ceci. C'est le marchandage. Et l'adversaire n'attend que ça. Et on va vous utiliser contre vos anciens amis. Et ici, dans le cadre de SS, contre Jean Toulou. Je voudrais nous exhorter à croire en l'issue du combat, parce que personnellement, je sais, et alors là, avec fermeté, avec assurance, je sais qu'Ali s'en va. Je le sais. Le jour où je perds ma foi, j'arrête le combat politique. Je l'arrête. Mais le plus grand problème n'est pas le départ d'Ali. Ali est parti. Le problème, c'est cette petite transition. Est-ce que les esprits qui sont là, est-ce que les esprits de chacun de vous sont prêts au changement? C'est ça le véritable problème. Ali va partir, il a un peu de temps, ça finit. Et il a, s'il vous plaît, la détermination nécessaire dans le combat et dans l'issue du combat. Ayez la foi, ne soyez pas habité par la garonite qui veut que ce soit d'autres qui fassent. Oh, c'est déjà fait, ils sont là-bas, non? Mon ami, après quand tu finis là-bas, viens me donner les nouvelles. C'est trop facile, ça. Pendant que les gens sont dans le combat, d'autres sont dans les biais. Mais c'est dans les biais, parce que le bon homme, et ça, vous ne le savez peut-être pas, il est renseigné. Il connaît certains d'entre vous et même chacun d'entre vous. Vous pensez qu'il y a des gens qui sont en danger? Faux! Au quartier, on vous trahit. Parce que les agents des renseignements sont au quartier. Et on vous attend dans la bière et dans le moussoumou, là, attendez. Dans le verre de balle. On vous empoisonne. Ça commence par une toux. Puis ça vous amène en plein mort. Vos poumons ont quelques problèmes, et au bout d'un temps, vous êtes parti, vous êtes mort. Ça veut dire que la prudence vous interpelle tous. La prudence dans le combat, la fermeté dans le combat, la détermination dans le combat, la foi dans le combat et dans l'issue du combat. C'est tout ce que je voulais dire aujourd'hui. Merci à vous. On applaudit encore très fort pour M. Richard Moulomba.